Salut Alex. Ça va? Ouais, ça va super bien. Donc pour ce Whisky Live 2018, j'aimerais que tu me parles de la gamme des profils. J'ai vu qu'il y en avait deux petits nouveaux. Il y a deux petits nouveaux, mais il faut savoir qu'on a quand même trois profils. Le premier profil, c'était le profil 105 qu'on connaît. Oui. On a toujours un passage de sur une chauffe 105. Hein. La chauffe, c'est toujours une question de température et de temps. D'accord. Qui permettent de torréfier le fût. En fait, c'est une fois qu'on a fait le... En fait, dans la fabrication des fûts, il y a les merins, en fabrication des douelles, cintrage, on fait son fût. D'accord. Et après, on va brûler le fût pour créer, en fait, les arômes. C'est-à-dire que dans la biochimie, ça s'appelle tout simplement les réactions de Maillard. On va créer, on va révéler tout ce qui est aldéhyde, la vanille et tout. Et en fonction de la chauffe, selon la chauffe, on peut sortir un produit boisé. On peut monter après sur du fruité. On peut encore monter après sur l'intensité, sur de l'épicé, sur du toasté, sur de l'amande, uniquement en jouant sur le coupe-temps température. C'est comme si on faisait du café qu'on torréfiait. Et nous, on a trouvé des fabricants qui arrivent à nous proposer des chauffes et des profils aromatiques. D'accord. Ils ajoutent un nez électronique, ça s'appelle un nez électronique. On travaille nous avec des fûts américains, on travaille sur des chênes américains. Et là, quand ils vous vendent les fûts, ils vous vendent la chauffe et le profil aromatique. Et nous, on a un produit déjà, qui est un produit qui est un rhum agricole, produit à partir de notre propre levure, qui est une levure indigène à canne à sucre. Cette levure indigène à canne à sucre va retracer en fait le terroir de naissance. On arrive, nous, déjà à faire un produit à la base rhum blanc, qui est une note florale canne à sucre, un côté agrume, ça c'est la base. Mis dans un fût avec une chauffe, on va extraire les arômes du fût. Alors, un profil de chauffe pour 105, premier passage rhum blanc, on extrait les tanins. Deuxième passage, on laisse 20 mois, on sortira ce qui a été le cas, le premier profil de chauffe 105. Ensuite, on a fait le profil 105 bio, c'est quand en 2016, on a créé le premier rhum bio, il nous restait 600 litres. En 800 litres, les 800 litres, j'ai mis 400 litres en vieillissement pour faire le premier 105, profil 105 bio. C'est un paille, hein, okay. Ce rhum qui a 15 mois, qui est très boisé parce qu'il n'y a qu'une passe. Et c'est vrai que la robe est beaucoup plus sombre, beaucoup plus foncée. Beaucoup plus foncée parce que j'ai pas fait de, malheureusement, par rapport à la réglementation du bio, je ne pouvais pas avoir de bio pour rincer mon rhum, on va dire, avec du bio et repasser du bio. Les contraintes administratives font que bon, j'ai dû travailler comme ça. Et dans 2 ans, ce sera un rhum qui sera en 2 passages en 3 ans. Encore plus boisé, mais au moins je serai le premier à avoir sorti le premier rhum bio vieux. Okay. Là, pour l'instant, je sors le premier rhum bio paille. Le profil 107, cette fois-ci, c'est une chauffe qui est beaucoup plus forte, avec un autre temps gardé secret. Quand tu dis plus forte, c'est dans la longueur, c'est plus. Dans la température. Dans la température. Et le temps, on va garder, c'est quelque chose de secret sur le temps de chauffe. D'accord. Et là, on va extraire, plus, ils nous l'ont vendu comme un produit beaucoup plus toasté. On ira plus vers l'épicé et le toasté. Alors que le 105, on est plus sur le fruité épicé. Ok, super. Après, c'est le retour sur le 105. J'ai commencé à 15 fûts, je suis à 90 fûts. En 107, je démarre, j'ai 10 fûts. J'ai fait une mise en vieillissement le 17 septembre 2018 où j'ai fait différentes gammes de dilution, en fait, de réduction. Je pars de 54 degrés jusqu'à 46 degrés. 2 fûts pour chaque fût de 107. Et on va sortir dans un an peut-être, je crois, le profil 105 à 54, à 52. En fait, ce ne sera pas ça parce qu'on aura perdu du degré. D'accord. Mais ça me permettra en fait de comprendre peut-être, en assemblant peut-être 54, 52, sortir en 12 mois un profil aromatique proche de rhum de 4 ans. Okay. C'est que de la magie, en fait. Ouais, c'est de la magie, c'est totalement ça. Ouais. Tu as des dates de sortie pour le profil 107? Alors normalement, il est déjà prêt. On attend de faire la sio-capsule en bleu. Normalement, j'ai prévu de l'envoyer fin. La sio-capsule doit être bleue. On a porté avec une sio-capsule grise, mais c'est pas la bonne sio-capsule. C'est ça, la sio-capsule. D'accord. C'est prévu fin décembre en France, ou sortie fin décembre, ou début janvier. Okay. Ouais. On a 3400 cols parce que il n'y avait que 10 fûts, pas plus. Ok. Alex, je te remercie. Il n'y a pas de problème. Merci.